Même qui pour le Cohen disait à 10 reprises Ana Hachem. Et tu sais que quand il disait Ana Hachem, c'est le Yud Kevavke. Ouais. Et donc l'âme Israël disait Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Ve'ed. Et c'est ce qu'on fait dans le CDR de la Voda Yom Kippour, on se met par terre avec la serviette et tout là. T'as remarqué, Léon, ou pas? Dans la Chazara du Moussaf. Et en souvenir de ces 10 fois où le Kohen Gadol prononçait l'ineffable, le tétragramme, le nom divin, eh bien, le tour nous dit que on fait autour de Kippour 10 vidouim. Vidouille. Confession. Ouais. L'aveu. C'est. Quel aveu? Bah, dis-moi tout. Hein? Balance. Ce qui est écrit dans le Sidour, c'est un aveu assez général. Mais si tu as des trucs à faire tchouva, il faut le dire à ce moment-là, mais le Sidour ne l'écrit pas. Le Sidour ne fait pas une liste exhaustive de toutes les fautes. Il vient dire essentiellement, j'ai fauté, Hachem, pardonne-moi. À l'origine, il n'y a pas besoin d'être tellement précis. Alors, il y a des trucs, au fil des générations, des trucs qui ont été rajoutés et tout. Mais à l'origine, Aval, Anarnou, Atanou, ça devrait être suffisant. Ouais. On fait ça 10 reprises. Comment on fait ça 10 reprises? Alors, il y a Shacharit, Mincha, non, Shacharit, Moussaf, Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila. Ça fait donc 8. Pourquoi 8? Parce qu'il y a un vidouille dans la Hash et il y a un vidouille dans la Chazara. Quand le cher Tibour il fait son vidouille, on l'accompagne. Donc ça fait 8. Comment on arrive à 10? On en a un vidouille dans le Mincha de Erev Yom Kippour. Je pense qu'on va faire à 2h30. Ça te chauffe de venir, Marco, ou pas pour le vidou de Mincha de Erev Yom Kippour? Une heure. Tes habitudes. 2h30, c'est bien le 1, hein, Mincha, c'est bien 2h30? Hein? Tard de quoi? Tôt? C'est drôle. Pourquoi c'est tôt? Est-ce qu'ils pourront faire mincha avant le repas? Ça ne fait jamais. Et pourquoi c'est tard, 2h30? Qu'est-ce que tu as à faire? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as à faire après 2h30? On arrive à 3h15 à la maison. Hein. Qu'est-ce que tu as à faire à 3h15? Le jeûne, il commence à 6h. Hein? Je ne sais pas, non. C'est-à-dire, pourquoi c'est tard? Je ne sais pas pourquoi c'est tard. Psychologiquement, non, bon, faut juste me laisser le temps d'arriver, c'est tout. Je dois aller au mikvé. Les Khatrilons doivent aller à mikvé après 11h40. Après, non, 5h, ouais. 1h avant Khatsot. Comme ça, c'est écrit dans les livres. Et Aratayom, Alpikabala, ouais, c'est à partir de la 5e heure. Donc, les Khatrila, on essaye, si déjà on fait un truc qui n'est pas un devoir, hein, le Mikvé, alors on y va pas tôt le matin, on y va après 11h40. Donc, le temps que j'ai au Mikvé, je me prépare, etc., et que j'arrive, je n'ai pas envie de mettre des stress. Une fois, on est tombé avec mon gendre sur des kakim de malades. On a fait rater Souda Mafseket. Je pense, a priori, oui. Cette année, c'est-à-dire à Kippour, quoi. Il n'y a pas la femme, les enfants, donc c'est plus jouable. Ensemble, hein, pas l'intérêt tellement. Après, je vais manger où? Ah, il n'y a pas quoi? Moi aussi, je peux vous inviter. Non, en général, on est occupé le Kippour. Je vais manger où? Ma femme, elle veut un petit peu manger avec moi quand même. Ah, tu me rappelles pas? Non.
Non, elle ne vient pas, ma femme. Donc, j'étais un peu avec la famille Rêve Kippour. Et après, je viens pour Mincha et je reste ici après Mincha. Ça, je ne vais pas faire trop tôt, Mincha. Ben, je vais amener la nourriture avec moi, je vais manger. Ça ne me pas de faire un repas avec mes fils, mon gendre, mais quelques repas avec ma femme et mes filles, quoi. Un petit peu, quoi. C'est un jour de fête, quand même, Erev Yom Kippour. C'est une fête. Combien de repas qu'on a encore fait ce jour-là? Ce que tu veux. Avec Erev, tu ne jeûnes pas. En tout cas, donc tu as compris, il y a donc un Yom Kippour, le Kohen Gadol dit à 10 reprises Ana Hashem. En souvenir de cela, on fait 10 vidouyim. Je viens de le dire. Ana Hashem. Il s'est avéré qu'on a fait 10 fois Ani Hashem dans la Voda, comme ça la Torah elle a dit. Il y en a 3 sur le premier vidouille, 3 sur le deuxième vidouille, 3 sur le Seyim Mishtalehar et 1 sur le Goral. Ça fait 10. Ça tombe 10. Est-ce que c'est par hasard? On s'en fout. Laissons ça de côté. En tout cas, c'est comme ça dans la Torah. Donc, en parallèle à ces 10 fois où le nom d'Hachem est prononcé dans le Beth Amikdash et durant lequel le peuple venait se jeter à terre, eh bien, on fait 10 vidouim debout. Alors, ça nous amène à réfléchir un petit peu, c'est quoi le vidouim, quoi? Quel rapport? Ana Hachem, c'est l'Avdavka sur les vidouim du Code Gadol, puisqu'il a fait que 6 fois Ana Hachem dans les vidouim, en vérité. C'est 10 fois Ana Hachem, 3 sur le premier vidouille, 3 sur le deuxième vidouille, 3 sur le Sémichtaléar et 1 sur le Goral. C'est comme une réponse à ce que dit le prêtre, c'est comme quand on fait la Birkat Kohanim. Donc tu comprends, c'est ça la question qu'on aurait pu se poser si j'avais voulu y répondre maintenant. Mais c'est pas grave, on en reparlera. C'est pas vrai ce que je dis là. Essaie de ne pas intervenir, ça me permettra d'avoir le plaisir de t'écouter hein, les fois où tu veux intervenir. Merci. Donc, on va faire un petit peu d'alachot de Yom Kippour. Donc, il y a une mitzvah de manger à Erev Yom Kippour. Ouais. Mashma du Rambam que c'est une mitzvah de Raïta. Mashma du Shulchan Aruch que c'est des Rabbanan. Ouais. Lui, le Magen Avraham, il est possédé que c'est de Raïta. C'est bon, Aurel, ou pas? T'as atterri, là? Non, c'est pas de ça qu'on parle, là. C'est rare, Aurel, d'avoir une mitzvah de manger d'après la Torah. À Shabbat, c'est pas de la Torah qu'on mange, c'est les Rova Poskim, c'est les livrés Kabbalah, pas sous des Shaya. C'est pas d'Oraita Shabbat. Ouais, les Seudot qui sont d'Oraita Bevatai, c'est le soir de Sukkot, c'est d'Oraita. Le soir de Pessah, c'est d'Oraita. Sinon, on mange parce qu'il faut manger, quoi. Mais c'est pas une mitzvah de la Torah. Donc là, d'après le Rambam et le Magen Avraham, c'est quand même important parce que c'est le un des 3 repas d'Oraïta. Si tu manges tout à ou pas de... Alors, je répète. Avant Erev Yom Kippour, il y a encore 2 repas qui sont d'Oraïta. Le premier soir de Pessah, le premier soir de Sukkot. Oui, mais le premier soir de Sukkot, tu manges chez toi à la maison. C'est d'Oraïta. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et premier soir, tu manges du pain à Pessah, c'est pas bon non plus. Premier soir avec la matzah et le premier soir dans la souka. D'accord? Mais, et là, si tu veux, le jour de Erev Kippour, tu peux manger dans la souka des matzot, si tu veux, ce que tu veux, comme ça. C'est un super medley, il n'y a pas de problème.
Tu es libre. Hein? Tu manges ce que tu veux. Donc, c'est quand même important de manger. Erev Yom Kippour. Parce que d'après le Rambam, le Magan Avraham, ouais, un certain nombre de Rishonim, c'est une mitzvah de la Torah de manger Erev Yom Kippour. Bon, vous savez un petit peu, un nombre de raisons qui ont été données pour... Hachem, il ne veut pas nous faire souffrir, on doit faire un jeûne, alors il dit manger bien la veille, truc. On voit que même dans le digne, il y a de la rachamim, même dans la tshuva, Hachem, il a préféré ne pas nous infliger des inouïm. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais qui c'est qui a dit ça? Il y a longtemps, hein. Non, non, c'est-à-dire, ça ne me gêne pas que ça soit écrit, je vois plein de choses écrites. D'accord? Mais. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Pashtout, ouais, les Pashtanim, ils disent voilà, il faut bien tenir le jeûne, il ne faut pas. Truc. Et il faut se réjouir aussi. Faut se réjouir de cette capara qu'on va avoir. Hein? Donc, la meilleure façon de se réjouir, c'est en mangeant. Hein? Si on n'a pas à manger, la réjouissance, en général, elle n'est pas complète. Donc, on mange. C'est un jour de... On doit apprécier la chance. C'est une chance, quoi. De recommencer tout à zéro, c'est une chance. Il faut le fêter. Alors, le jour de Kippour, c'est un jour de tshuva. Donc, la célébration n'est pas tellement... Bien qu'un cholé qui a le droit de manger, ouais, à Kippour, il va dire dans le Birkat Amazon, il y a les Véavo et tout. C'est un jour de fête. Les Véavo, Kippour rasé, etc. C'est un jour de fête. On doit jeûner. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est une mitzvah importante. Je n'ai pas envie de rentrer dans la philo, je vais plus vous faire des halakhot, ouais. Il y a une marloquette, est-ce que déjà le soir il y a une mitzvah, marloquette aposkim, c'est est-ce que ce soir il y a une mitzvah, marloquette, ouais, pourquoi il n'y a pas ce soir, je te dis qu'il y a une marloquette, ouais, par contre, ce soir, pourquoi il n'y a pas marloquette, bah, à la fin c'est une marloquette, à la fin de quoi, à la fin il y a une marloquette, c'est bien, mais la décision, alors à la fin on mange ce soir. Vadaï qu'on mange. Si maintenant on est marmir pendant la Sarimet Shuva de faire des chumrot, il y a une marloquette, c'est une mitzvah de Raita, on va pas le faire. Vadaï qu'on mange. Vadaï qu'on mange ce soir. Mieux qu'à l'accoutumée. Comme moi qui dis, c'est Rav Ofir Malka. Je vous le dis, puisque j'ai du mal. Yesh umrim shegam belel erev yom kippour, yesh mitzvah l'arbot bachila, kevan shayom matril me'alayla, le shla, le magan avram, le shel avram, etc. Vieshorim chez Mitvazou Matrila Rag, mais la tachara, chère Yom Kippour, le gain de Vina, etc. Donc il y a Marloquet Aposkim, chacun des grands rabbins. Le Shulchan Aruch n'a pas parlé sur ça. Velemase, Basare Metchouva, nous Mishtadli, Mechapsim l'Arbot, Bemitvot, Kedelatot, et Kaf Amosnaim, la Srout, la Chen Nachon, Mishtadel, l'Itametz, Vele Arbot, Meat, Bachilagan Belel, et Yom Kippourim, Vele Chen, chez Oichel, chez Mitvah, Sachile, donc Nafkamina. Donc, puisqu'il y a une marloquette, Asar Metchouva, on essaie de faire tout comme il faut, même mieux que ce qu'il faut. Donc, Bevadaï, qu'on va non seulement, donc c'est le Bain Afkamina, on va non seulement manger plus qu'à l'accoutumée ce soir, pas juste un petit bout comme ça, de pain avec du cottage comme d'habitude, ou une petite soupe au poulet. Avec des... Un vrai repas. Hein ? Un vrai repas. Plus, non, je n'ai pas dit un vrai repas, j'ai dit plus qu'à l'accoutumée. J'ai dit plus qu'à l'accoutumée. Aurèle, qu'est-ce qui se passe ? Arrête. Vous n'êtes pas nombreux, donc soyez avec moi quand même. Hein? Tu as lu dans un livre? Donc, cette façon de s'exprimer, c'est faux. Ça ne veut rien, c'est faux. C'est Marloquet Aposkim. C'est faux. Que maintenant, vous n'êtes pas obligé et vous pouvez vous appuyer sur le pinon du gras, c'est vrai. Mais dire que ça ne vaut rien, c'est faux. C'est faux. Parce que le Magan Avraham, c'est quelqu'un qui a étudié le Shulchan Aruch.
Quelqu'un qui a étudié le Shulchan Aruch, hein, un rabbin qui a étudié le Shulchan Aruch, non, il regarde avec le Magen Avraham, c'est le pirouche de base. D'accord? Et le Magen Avraham, il rapporte le Shla, qui a une mitzvah le soir aussi. Donc, ce n'est pas un pirouche qu'on a perché dans un Zohar inconnu qui vient d'être édité, ouais, qui est un plagiat, cette nouvelle édition. Non, c'est un Magen Avraham, quoi. C'est vraiment les bases de l'Halakha. Je ne dis pas que c'est obligé, mais c'est une opinion du Shla, du Haïchel Avraham. C'est des poskim connus, quoi. Des poskim connus. Mais le Graal, il dit que non. Et il prouve ça d'un Rashi dans Ktuvot, etc. Donc, bien entendu, celui qui n'a pas. Donc, on a dit, si on veut être marmire, et le Rav Ofir Malka conseille d'être marmire, parce que c'est une période de Khumrot, ça va mettre Chouva. Alors, Nafkamina, deux choses. Premièrement, on va manger plus qu'à l'accoutumée. Et deuxièmement, on va manger les Shem Mitzvah. C'est le deuxième Nafkamina. On ne va pas manger parce qu'on mange, manger parce que, d'après ce opinion, la Torah nous a demandé de manger plus. D'accord ? Mais aujourd'hui, il n'y a aucun devoir. Il faut attendre la tombée de la nuit pour accomplir cette Khumra. Alors, je ne sais pas, peut-être que, je sais pas, peut-être que le rabbin en question, il parlait du barbecue, du truc, de perdre du temps à faire un barbecue, etc. Enfin, c'est peut-être ça qu'il parlait, c'est Chaval, le rêve Yom Kippour de passer une soirée à faire un barbecue, au lieu d'étudier, de faire tchouva, de anilodéa. Peut-être ça qui était mis de kamen, anilodéa. Mais de manger plus qu'à l'accoutumée, c'est ça l'enjeu. Maintenant, de passer 3 heures pour le repas le soir, c'est gam khumra et gam kula, du coup. Parce que ça dépend d'autre chose, quoi. C'est pas. C'est pas la grande fringale, quoi. C'est le but, c'est pas de passer du temps à table. Ouais, Rabbi Kippour. Le but, c'est de manger plus. Vous comprenez ? On n'est pas obligé de s'attarder, de faire une grande cérémonie, une fête. Hein ? Non, on mange plus qu'à la communauté, à l'accoutumée, en ayant l'intention d'accomplir un devoir d'après un certain nombre de décisionnaires. C'est bon, Aurel, qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Il n'arrête pas. Et ça, c'est le contact avec Julien, c'est normal. Il est très agréable, Julien. Même moi, des fois, je sais pas ce qui. J'ai envie de lui parler Stam. J'ai rien à dire, j'ai envie de lui parler. Moi aussi, ça m'arrive. Il est très, très, très appétissant, ce Julien. Et Léon, t'as pas envie de parler à Julien aussi? On a tous envie de parler à Julien. Il devrait se présenter, il devrait faire un parti. Parlez-moi. Parlez-moi, je vous répondrai. Les bails que tu veux me parler à moi comme Julien. Les bails. Donc, c'est considéré Erev Yom Kippour comme un Yom Tov. Donc, il faut bien s'habiller. Pas de pyjama, pas de survêt. Il faut bien s'habiller. Marqué, Yeshelofi, Mishumkar, Bigde Shabbat. Mais Souda Mafseket. Souda Mafseket, c'est vraiment la Souda de Yom Tov. On sort la nappe. Le dernier repas. C'est l'inverse de Souda Mafseket de Tchabéav. L'inverse. Ah, c'est vraiment Souda Mafseket ou. On arrive et tout, on est bien habillé, on a déjà été douché, on a acheté des trucs, il y a des salades, et, y a bien, et on sort les beaux couverts. Et il y a un minhag de faire aussi les Lechem Mishne, faire motzi sur deux pains. C'est comme un Yom Tov. T'entends Aurel ou pas? Donc, comme mitzvot srichot kavana, il y a une marloquette de ce que mitzvot srichot kavana. Alors, quand c'est un acte comme les tefilines, alors il y en a qui sont mesquels. De mettre les tefilines par soi, ça prouve que tu fais une mitzvah. Donc, même si tu n'as pas eu de kavana,
Vadaï, qu'est-ce que tu es en train de faire de faire de la musculation, tu es en train de faire quoi? Ouais. Tu es en train de mettre une mitzvah. Quand tu prends l'oula, tu es en train de faire une mitzvah. Quand tu manges, c'est plus embêtant. Parce que c'est une péoula, t'évite. Donc dans ça, il explique le Rav Ophir Malka que dans ça, il faut faire attention, comme si c'est une mitzvah d'oraïta. Et que mitzvah sera de kavana. C'est la première opinion dans le Shulchan Aruch. On est possédé quand même. Ouais. Alors, on est marmire. Dans le Doraïta, Mishtamora, il dit que, de toute façon, tout ce qu'on est Mekel dans le Mizot Sotkem, c'est dans le Deramarim. Dans le Doraïta, Vadaï, qu'on est marmire. Ouais. Vadaï, qu'on est marmire. Donc, ici, puisqu'il y a beaucoup de poskim qui disent c'est Doraïta, et que c'est une Peoula Tivit. Manger, on ne voit pas ça que je suis en train de faire là. Donc, la Vadaï, avant le repas ou les repas, on va dire. Anir Shav Mitkaven, Lekem, Mitva, Ta Torah, Lechol, Berayon Kippour. Le penser ou le dire, en tout cas le penser tout au moins. Quoi ? Non, avant chaque Seouda. Ouais. Toute la journée. Là. C'est-à-dire, si tu as fait une Seouda, tu as accompli la mitzvah. D'accord ? Mais si à chaque fois que tu manges, tu as cette kavana, alors, il s'est avéré qu'à chaque fois, tu as accompli la mitzvah. La malo le arbot be mitzvot. Ben, j'accomplis le devoir de la Torah ou des sages ouais, de manger Erev Yom Kippour. Je sais pas. On peut éliminer le micro, il faut pas. Si tu veux, c'est un mobile alors. Dans un sens là, j'en prends et je suis toujours en forme. Donc j'ai pas. Je sais pas. Le Hinou, il est écrit dans la Torah. Non, je suis en train de répondre à ta question. Le Hinou, il est écrit dans ta Torah. Dans la Torah, d'accord ? La raison que je t'ai donnée de manger la veille, il n'est pas écrit en Torah. Ouais. Il y a un certain nombre de raisons. Il ne va pas prévaloir une raison fausse ouais, face à un ta'am qui est méfourage. Il y a un yann de inouï à Yom Kippour. Il ne faut pas être marbé be inouïm. Il ne faut pas multiplier les inouïm. Je ne vais pas me mettre au soleil et mettre des pois chiches dans les crocs et, ouais, et mettre des punaises sur ma chaise. On n'est pas là maintenant pour se... de faire un petit stage Torquemada, hein, mais les Noïm que la Torah nous a donné, ils ne sont pas arbitraires. Ils viennent exprimer notre comment dirais-je, désolation. Non, notre volonté de négliger les choses auxquelles on a l'habitude d'être attaché, de négliger notre centralité dans le monde. Ouais, j'ai faim, je mange. Plus ça, je me lave, ouais. J'ai la peau sèche, je mets de l'huile. J'ai un besoin de rapport conjugal. Etc. Là, je me retiens pour négliger ouais, ce qui me dirige toute l'année, mon corps. Je vais le mettre de côté. Quoi. Je ne veux pas le détruire, je ne veux pas l'abîmer, mais je veux le négliger. Donc, de jeûner de jour, c'est c'est l'abîmer. Tu comprends, Julien ? Je ne veux pas l'abîmer. Mais en ce jour-là, il y a une notion de le négliger. Est-ce qu'il y a une notion de souffrir de la faim ? Non, donc c'est une question dans les poskim. Est-ce que maintenant, le fait de prendre ce calé de somme, c'est un bitoul inouï ? Si tu dis que le inouï, c'est une retenue, que anilomitasek, bagouche, je ne m'occupe pas de mon goût, mais ce n'est pas une notion de souffrir. Donc il n'y a pas un problème de calé de somme, parce qu'il n'y a pas un enjeu de souffrir, mais. Je m'occupe pas de bouffe. Ça doit pas être dans ma tête ce genre d'histoire. Quand je dis je m'occupe pas de bouffe, c'est même à l'année là. Je vais dire ah là bientôt on va manger, bientôt il y a le croquant et le la citronade. Non non, c'est, je m'occupe pas de bouffe tout le Kippour. Si tu veux que ce soit mère rapper tout Kippour, c'est ta tête elle est pas là-bas. Ta tête elle est dans tes fautes, dans la volonté de réconciliation d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une kula mais c'est une rumra, ouais. Mais la notion de souffrance, ouais. Rav Hirshi, il ne veut pas dire que c'est ça la notion du Hinouï, mais c'est une marloquette qu'on explique, une notion de Hinouï, de souffrance, etc. Pour ça, je ne sais pas. Bon, après, j'ai plutôt tendance de comprendre
Alors, après le petit youn que j'ai fait du sujet, comme le ravir, c'est pas une notion de souffrance, c'est plutôt la chose de ani, sentir notre dépendance, sentir notre assujettissement, notre subordination à Kadosh Baruch Hu. On laisse de côté les choses qui nous éloignent d'Hachem, qui font écran avec Dieu. On les néglige, on les méprise. Et c'est pas qu'on les punit, on leur inflige un châtiment. Mais comme je suis peu de choses, je ne peux pas délibérer sur un sujet que je sais qu'il y a différentes opinions. Donc, je peux envisager qu'il y en a qui disent que c'est interdit. Mais en fait, il y a des poskim qui découragent pour celui qui n'a pas de problème de santé et qui n'a pas de risque de casser le jeûne. Ouais. Il est préférable de ne pas prendre ses gouttes, ses capsules, etc. pour ne pas être mévatel le hinouï. Donc, on voit qu'ils ont compris le hinouï d'une certaine manière. Il n'est pas exclusif, mais ils ont compris le hinouï d'une certaine manière. Et moi, je ne suis pas tranché contre des poskim. Mais dans la compréhension, ce n'est pas cette position a priori que j'ai adoptée. Quoi, ce n'est pas pour toi, en fait. C'est pas pour toi. Tu ne comprends pas le truc. Moi. Il y en a qui disent que ça marche, ce truc-là. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas un pourcentage sur le truc. Hein. Parce que pas tout le monde dit que ça marche. Il faudrait faire un sondage. Celui qui dit que ça marche, peut-être une fois, j'ai essayé quand j'avais une grippe. Je ne me rappelle plus. Hein? Non, je n'ai pas l'impression. Moi, ça ne m'a pas aidé, non. Mais bon, en vérité, c'est quoi le problème du jeûne, en vérité? Ouais. Béicar, on a soif. Pas tellement faim, en vérité. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas un gros morfalou. Les gens qui mangent beaucoup, Bémet, ils doivent souffrir, les pauvres. Hein? Ils doivent souffrir parce que quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup manger, alors, il a faim, ça le rend fou. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'habitude justement de se retenir dans ses crises d'appétit, il a l'habitude de répondre vite à ses crises d'appétit, là, il va vraiment être bouleversé. Là, il ne peut pas répondre. D'accord? Dès qu'il a faim, il grignote un truc, là, il ne peut pas. Donc, il est vraiment, lui, violenté dans ses habitudes de se laisser prendre en otage par son corps. Hein? Donc là, il va vraiment, c'est une souffrance pour lui. Plus on est attaché à notre corps, plus c'est une souffrance en vérité. Ouais. Maintenant qu'on est soif, c'est une chose. Est-ce que ça arrive dans la vie qu'on est soif sans boire? Ouais. Par exemple, à Shabbat, avant de faire le kiddush, ben on ne boit pas. Ouais. Donc, l'eau méchanée, mais pour te donner un exemple, que dans la vie, et des fois, on se retient. Le juif de Kippour, le pauvre, qui n'a jamais l'habitude de se retenir, ouais, jamais il se retient quand il a besoin de quelque chose. Il le fait. Jamais il se retient. Pour lui, Kippour, c'est une vraie souffrance. Il voit ça comme une souffrance. Hein? Parce qu'il n'a pas l'habitude de se retenir. Pour nous, c'est un Shabbat Shabbaton. C'est-à-dire, c'est une retenue extrême. Mais on a l'habitude de faire des Shabbaton, des Shabbats, des trucs. Donc c'est pas ingérable, quoi. On n'est pas déconcentré par ça. Il y a des gens, ça peut les hanter, quoi, pour leur interdire de faire des choses. C'est dur pour eux. Pour nous, bon, mais qui sont en soif. Moi, ce que je mange, on a soif, on est fatigué, et des fois, on a mal à la tête. C'est un peu ça, un peu là où le corps, il pâtit de ce jeûne. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce que quand on fait des belles filottes, c'est normal qu'on soit fatigué. Et ça peut aussi rajouter des maux de tête parce que Bémet, on y met toutes nos forces, toute notre intention. Donc, tu n'as pas beaucoup de calories, pas beaucoup de repos, etc. Donc, c'est un peu, pour les gens qui sont sujets à des migraines, avoir des répercussions à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grave. Là, il y aura ce qu'on a inouï, l'école à des hautes. Dans ce cas-là. Et Bémet, ça va vers la fin du jeûne. Des fois, on est dans un inouï, l'école à des hautes. C'est-à-dire, des fois, il y a une certaine forme de. Il y a une certaine douleur, quoi. Ou de fatigue, ou de très soif, ou de tension mentale. Ouais. Donc il y a une certaine souffrance. Ouais. Certaine souffrance. Qu'on ne provoque pas par des actes, mais qui est provoquée par le jeûne. Vous voyez la nuance ou pas? Il y a se mettre au soleil, se s'asseoir sur des punaises. Ce n'est pas ce genre de souffrance, ça, c'est inouï qui est lié au jeûne. C'est un peu comme dans la souka, tu vois. Le inouï qui est lié à la souka, hein, on n'est pas tour de souka.
Mais le mec qui n'a pas son coussin, il fallait aller à la souka. Comment ? C'est pas la chaleur de la souka ? C'est pas les moustiques dans la souka ? C'est la pas son coussin. Alors, c'est pas là qui pour ça. Un inouï qui est lié au jeûne. On ne va pas créer un inouï extérieur au jeûne. Rajouter un inouï. Moi, il faut réchèvre sur ça. Yachol, Yeshev, Bachemesh, elle pose la question, l'agma. Hein. Enfin, ce n'est pas une idée à moi, ça. L'agma, elle pose la question. Il ne marche pas là, non. Bekitsu. Toute une liste de choses qu'il ne faut pas manger à Yom Kippour. Surtout à Soudam Afseket. Le grand problème de Kippour, c'est la pollution nocturne. Il y a des aliments qui peuvent poser des problèmes. Donc, on ne prend pas Soudam Afseket des œufs, de la viande, de l'ail, du sésame, donc la trina, les boissons alcoolisées. On évite. Tout petit peu. C'est comme il y a un vidouille et tout, faut être quand même être salou, loin. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre du vin de table de manière raisonnable. Pas lui interdire, mais. Ouais. S'il sent qu'il manque quelque chose dans son repas, s'il n'y a pas un peu de vin, c'est fait. Mais il ne faut pas que ça vienne maintenant troubler, c'est. Ça. Son côté clair. Tu as compris ou pas? Donc, globalement, c'est ça un petit peu l'enjeu de cette souda-là. Et bon, de la même manière que pendant sa Metchoua, on essaie de faire les choses bien. Alors, Erev Yom Kippour en particulier. Donc, Bémet, on va essayer de, avant chaque bracha, s'arrêter, réfléchir. Baruch Ata Hashem, Adonakol, Ayahu, Veveye, Elokeinu, Taki, ouais, Malkochot Kulam. On essaie de faire les brachot, les khatrila. Ce n'est pas des khumrot, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Hein. Ces kavanot que je viens de vous dire, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ce n'est pas des khumrot. C'est d'alacha. C'est un devoir. Alacha, devoir, khayab. C'est une chova gumura. Ce n'est pas tov. C'est une chova. Avant de dire le kivavke, il faut savoir ce que ça veut dire. Avant de dire le kiv, il faut savoir ce que ça veut dire. D'accord ? On les sidourim est écrit en général. Ce genre de kavanot aujourd'hui, ouais, pour nous éviter à chaque fois qu'on fait une bracha, de chercher la page où Shulchan Aruch a expliqué ce que ça voulait dire. Mais donc, à Sarah Metchouva de manière générale, faire ça. Mais si déjà on ne l'a pas fait pour Sarah Metchouva, tout au moins, Erev Yom Kippour, le repas de Kapara, c'est comme la Kapara du jeûne, ce repas-là. Comme si on a jeûné 2 jours. C'est la Gemara dit. Le mec, il a dû dire à cause de cette Gemara-là. Mais donc, globalement, c'est comme si on a jeûné 2 jours. Et donc, si c'est Mechaper, alors il faut faire des achila de mitzvah, donc faire des belles brachot, un beau birkat amazon. Il y a une halakha très importante que les gens ne connaissent pas ou que les gens négligent, ouais, mais elle est très importante. Et je vais m'arrêter sur cette halakha pour finir notre shur sur Amelech HaKadosh, Melech HaMishpat. Ouais. Une halakha très importante qui est, il ne faut pas arriver à Kol Nidre, rassasié, savea, gavé. Non, rassasié. C'est-à-dire, on finit Soudam Afseket 1 heure avant qu'on hydrate. On n'est pas 1 heure près. Ça n'a rien changé. Tu veux boire après ton repas, il n'y a pas de problème. Boire, ce n'est pas un problème. Mais manger, pas jusqu'au dernier moment, c'est que le Kenwood, avec les carottes, là, pour faire les carottes râpées. T'appuies comme ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Je ne connaissais pas cette halakha. Quand j'étais jeune, j'arrivais en sueur avec une hypoglycémie. Avec après les hakeli complètement dormis, bercé par la lutte intestinale. Donc, il faut essayer de faire la Soudam Afseket pas au dernier moment. Et pas se gaver à la Soudam Afseket. Parce que dans un repas de fête, on ne se gave pas. On mange. On mange bien. C'est pas plus que ça. On mange bien. Mais on ne se gave pas.
C'est pas qu'Elou, la veille de Kippour, on donne au corps sa place de roi. Alors, le sanglier sauvage. Ouais. On mange bien. Ouais, on arrive à conneries. On n'a pas faim. Je n'ai pas dit qu'il faut arriver à conneries, qu'on a faim. On crève la dalle. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il faut arriver à conneries, qu'on crève la dalle. Mais pas que. Il n'y a aucun son qui sort. Il y a un obstacle. Donc, quand on était jeune et on avait peur du jeûne, quand on est jeune, on a très peur du jeûne. Alors, on se gave, on fait plein de choses et tout. Puis, alors, au fil des années, on voit que ça ne sert à rien, ça ne change rien. À la fin du jeûne, on est autant fatigué. À la fin du jeûne, on a autant soif. Au début du jeûne, on n'a jamais faim. Donc, ça ne change rien. Il faut se mettre dans la tête. Le gavage des derniers moments ne change rien au jeûne, sauf ça nous fait transgresser une halakha d'arriver gavé au début du jeûne. Mais en termes de tenir le jeûne, ça ne change strictement à rien. Je pense que tout le monde peut le témoigner. Et on a un réflexe. Ouais, avant le jeûne, on va nous interdire quelque chose, bien vite, on se remplit, on ne sait jamais. C'est comme les mecs, ils voient la gueule, ils vont dévaster les magasins, les papiers de toilette, le corona. On ne sait jamais. Le réflexe d'angoisse. Pas manger pendant un jour, ah bien, je me gave, on ne sait jamais, je fais des réserves. L'ours. Ouais. Des réserves d'ours. Ça ne sert à rien pour tenir le jeûne. Tu veux bien tenir le jeûne, tu manges bien aujourd'hui, tu manges bien demain, ouais. Tu ne prends pas du pain blanc, tu prends du pain complet, tu ne prends pas des pâtes blanches, tu prends des pâtes complètes, ouais. Tu manges des raisins pour retenir de l'eau, ou tu peux faire aussi du sucre de Anavim aussi, c'est pas mal, ouais. Il y en a qui prennent, je ne sais pas moi, non. Ça ne sert à rien. Ça ne dit pas ça. On essaie de ne pas manger salé, de ne pas manger épicé. Après tout, là, on a soif, c'est quand même dommage. Hein, dommage. C'est des repas peu salés, peu épicés. C'est tout, quoi. C'est la claline. Pas se gaver. Puis on a dit, les aliments qui peuvent amener des pollutions nocturnes, ça s'écrit, mais fourrage dans le mishnamoura, c'est de la faute, faire attention. Hein, on ne peut pas dire, c'est pas de ma faute. Bah, si, c'est de ta faute. Responsable. Hein? Responsable. Donc, surtout qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, celui qui a un kéri et un kippour, il ne finit pas l'année. On évite ce genre d'angoisse. Alors, parce qu'ils me disent oui, mais si, parce que tu as eu une mauvaise pensée, aussi parce que tu as mangé des trucs. Alors, sur ça, ça n'a pas été écrit. Mais du coup, c'est Navera. Tu finiras l'année, mais en commençant par la Navera. Ouais. C'est pas un tirot, c'est créer un post-kim. Mais quand quelqu'un, maintenant, il a tout fait comme il fallait, il a mangé ce qu'il fallait, il a pas de mauvaise pensée, et il a un kéri, alors c'est un signe du ciel que, bon, il faut qu'il écrive son testament. Général, les kéri, c'est plutôt pour les jeunes, pas notre âge. Très bien. Donc, c'est faux ce que tu dis, puisque le Kohen Gadol, quel que soit son âge, on ne lui faisait pas dormir la nuit à cause de ça. Ouais. Mais... En termes de statistiques, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais en termes de notre avodat Hashem, on évite tous les cas. On ne s'appuie pas sur aucun paramètre qui n'est pas absolu. Très bien, c'est bon ? On a compris ? Donc, il faut terminer le dernier repas une heure avant, c'est ça qu'il faut faire ? Oui, une heure, une demi-heure. Si tu ne te gaves pas, tu n'es pas obligé de finir une heure avant. Mais il ne faut pas arriver gavé comme une noix, comme une hydrée, c'est tout. C'est tout bête. Comment c'est écrit et marqué Voilà, il te dit le Rabbi Mifir Al-Kai, il rapporte cette halakha, il dit Yeshinan Arbot Bachila, ou l'âme sert la date, Matei Lahatso. De savoir quand s'arrêter. Écoutez bien, c'est important cette phrase. Écoutez ou pas ? Ça ne vous intéresse pas tellement le sujet, j'ai l'impression. Oulam, c'est la date, ma taille, la hatsor. T'entends, Julien, ou pas ? Ne déconcentre pas, Aurel. Kédé chez l'eau, la guia Khalila. Les matzav chez la Khalila Gassa. La Gassa, c'est le mec qui se gave. Khalila, c'est assourd de se gaver. Toute l'année, on va faire ça à Yom Kippour.
C'est assur de se gaver. C'est BMI. Hein? Enfin, c'est un kippour. Oh, même si tu ne gaves pas, les matzav chez Savea ou Midgay Betfilato. C'est la chose des possibles. Savea, quand tu arrives à la Tfila de Yom Kippour, hein? Conidré, hein? Et le reste. Faut pas, le mec, il est bien, bien pâteux, bien, bien en chair, bien. Avec son, avec son petit rose, son petit truc, hein? Plus, ça serait quoi l'idée? Parce que le mec, avec l'idée d'avoir un bon repas aujourd'hui, évidemment. Ça serait quoi l'idée? Midgay, la notion de Midgay, c'est d'avoir donné une place particulièrement centrale à mes besoins corporels. Je suis bien, j'ai bien kiffé. Faut manger pour bien tenir le jeûne, mais pas en faire une débandade. Par exemple, tu vois, toi qui as parlé de barbecue. Barbecue, c'est une, en général, c'est une gavade. En général. Faire barbecue, on mange une quantité de viande. Hein? Je sais pas, tu nous avais gavé à Pourim. On n'en voyait plus la fin. Ouais. Nous, on avait au début, je ne sais plus quoi, les kebabs. On était contents, nous, déjà. Non, maintenant, il y a l'autre chose. Et maintenant, il y a le foie. Et maintenant, c'est... Oh, nous, on mange en général un morceau comme ça de viande, quoi. Non, le méchané. Mais tu es d'accord que celui qui mange un barbecue, un morceau de viande comme ça, c'est rare. Et dans un repas normal, on mange un morceau de viande comme ça, non? Tu es d'accord ou pas? Un barbecue, on mange et du poulet et du... Je sais pas, moi, je suis pas un fou des barbecues. Mais quand on m'invite à ça, que ce soit mes enfants ou la famille, etc., moi, j'aime pas les barbecues. Non, c'est bon, etc., mais je sais pas. Comme il disait Coluche et Ronald Ibraha, hein, c'est l'art de manger des saucisses crues avec les doigts cuits. Hein. Donc, moi, les enfants, je dis, vous faites le barbecue avec plaisir, mais vous faites le barbecue. Moi, ce n'est pas mon truc. Et même manger, j'aime pas cette gavade. Ikar achila al basar. Et la Torah, elle nous dit, quand maintenant on s'est plaint, on a eu la manne, on a eu les slavim, qu'ils ont, ils sont morts des slavim, ouais, parce que c'est l'odeur reste de vouloir manger tellement de viande, etc. Manger du pain, qui boue et zébekavot. Mais la viande, ouais, Ikar, ça s'appelle le Ikar à Seouda, la viande. C'est dit la barachi au nom de Chazal. Pas le Ikar à Seouda. Donc, chaque fois que je mange un barbecue, je me rappelle de ça. Ça ne devrait pas Ikar à Seouda, la viande. Ça accompagne le pain, ça, ça donne des protéines. Mais de, bah, et encore, et des merguez, des entrecôtes. Donc le barbecue, Erev Yom Kippour, hein, j'irais même pendant Kippour, c'est-à-dire pendant, c'est même la journée de Erev Yom Kippour. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment adapté à l'événement. Ouais. Parce que c'est une grande gaverie. Et puis, ça fait perdre du temps aussi. C'est dommage, quoi. Un jour de tchouva, un jour... Il y a plein de choses à faire. Les caparotes, les trucs. Ensuite, il faut donner des caparotes à Naftali. Je crois qu'il y a en ligne à Londres, etc. Il peut directement donner. Ça va vous faire perdre du temps dans le limoud. C'est dommage. Moi, à 10h, j'ai un autre jour, donc je ne pourrais pas vous le faire. Je ne vais pas prendre ça sur le limoud. Donc, c'est une capara de ne pas faire bitoul Torah, je pense. On fait mincha demain, bien sûr qu'on fait mincha. Tous les jours, faire mincha, tu sais, Benjamin. Ensemble, together. Together with Michael. Ouais, alors moi, je pensais à 2h, 2h30. Je ne sais pas pourquoi ils font tous très tôt, je n'ai pas compris. L'équipe te fait Allez, quoi? Qu'est-ce qu'on s'occupe avant? Qu'est-ce que tu voulais faire après que tu peux faire avant? C'est la question. Ah, parce que moi, je dois venir de loin quand même. Il faut que j'ai le temps de venir sans stresser. Quoi. T'as le repas de midi que tu manges tranquillement et après tu prends un autre repas. Faire ça à une heure, c'est dommage. Enfin, moi, je n'ai pas l'intérêt. Donc, je pense 2h30, c'est un bon moment. Fini vers 3h15. On a le temps de faire une belle souda, mafseket, s'arrêter pas au dernier moment. Comme ça, j'annonce. Ouais, il faudrait. Qu'est-ce qu'il y a?
8h? Non, c'est trop tard, 8h, non? 7h30, c'est bien, non? Et pourtant, ils ont tracé comme un rejet. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi tracé? Allez, les amis. Salut Benjamin. On va faire la lacha de la Melech Hakadosh. Il nous reste un jour encore pour connaître la lacha. Je ne vois pas, il est augmenté. Alors, dans vos feuilles, à la fin de la feuille, les halakhot. On va jamais qu'on finisse par les halakhot pour qu'on conclue notre limoud par des conclusions bien concrètes.